Ville du bord de l'eau, de parcs et de jardins, ville où les échoppes côtoient les façades blondes et majestueuses des quais. Ville royale, célèbre pour son incomparable ensemble architectural du XVIIIe siècle en Europe. Bordeaux est la ville des équilibres élégants. Avec plus de 300 édifices classés, Bordeaux est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses quartiers anciens et ses belles perspectives du centre-ville se marient aux berges de la Garonne, nouvellement aménagées. À vélo, à roller, à pied, en tram, on change de quartier comme on change d'ambiance. La préhistoire, la peinture du 16e au 20e siècle, les arts décoratifs, Bordeaux offre son passé à la découverte et donne une place de choix aux arts contemporains. Bordeaux compte de nombreux musées qui présentent des collections permanentes ou des expositions temporaires prestigieuses et étonnantes. Exploré par plus de 300 000 visiteurs par an, il raconte Bordeaux à travers l'art et le temps. Partir à la découverte des vins de Bordeaux est assurément une aventure intéressante. Flâner au hasard des rues à la recherche d'une œnothèque, d'une cave, s'asseoir à la terrasse d'un bar à vin, s'essayer au stage de dégustation. Le vin est un art qui se partage. Si l'humeur est vagabonde, alors partez au gré du vignoble. Vous serez ébloui par la mosaïque des paysages, charmé par les propriétés, fameuses ou anonymes, et toujours conquis par des hommes et des femmes passionnés. En bordelais, vin ne va pas sans cuisine, puisque l'un et l'autre se complètent, s'embellissent, se subliment. Et il en est des vins comme des tables, chacun son goût, chacun sa cuisine. Cuisine de terroir au coin d'une cheminée pour les uns, huîtres et crustacés en terrasse sur fleuve pour d'autres. Ou bien encore cuisine étonnante, innovante, qui fait d'un repas un cadeau, une expérience inoubliable. Hôtel d'exception au cœur du vignoble ou palace au cœur de la ville, hôtel de charme sur le littoral, chambre d'hôtes romantique en ville comme à la campagne. 130 hôtels et résidences hôtelières toutes catégories, ainsi que des chambres d'hôtes et une auberge de jeunesse, offrent ensemble plus de 5700 chambres à Bordeaux pour accueillir les visiteurs toute l'année dans les meilleures conditions. La capacité de l'hébergement se voit doublée si l'on tient compte du bordelais. Chic et glamour, dans le Triangle d'Or, où la haute couture et le prêt-à-porter de luxe côtoient les marques tendances françaises et internationales. Allure New Look, créée par de talentueux stylistes qui proposent leurs créations. Bordeaux, ville de toutes les élégances, est un paradis pour amateurs de shopping. Autre passion bordelaise, chiner, en particulier au Chartron, le quartier des antiquaires ou à Saint-Michel. S'envisage pas sans la région bordelaise dont elle est le fleuron. En quelques minutes, vous êtes déjà au cœur d'une campagne vallonnée qui s'étire jusqu'au fleuve. Trois bastides plus loin, changement de décor. Cap vers le nord et les monts estuariens. En route vers le sud pour la traversée de la forêt des Landes, écrin protecteur et patrie du Golfe. On sent la mer. Retour par la côte, l'océan. Les plages atlantiques sont longues et blanches, sauvages. Bordeaux est métissé, bigarré. La nuit, le jour, Bordeaux bouge, danse, vibre. Le monde est partout, on se rencontre, on se mélange.
concert à l'opéra ou dans la rue. Création théâtrale, spectacle vivant. La culture est plurielle, créative, insolente. Bordeaux est en mouvement. Il y a quelque chose de joyeux qui flotte dans l'air. Un côté résolument sud qui prend ses aises et sa plaie.